DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beto. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Voilà, reprise de guerre au front, chers Congolaises et Congolais. Nous sommes la Makambo Moko sérieux tout au long de cette émission parce que ici, les États-Unis d'Amérique est proposé Bissau, je peux dire une forme, il y a imposition, il y a trêve, il y a cessé les faits. Lorsque le FARDC au niveau à front, Basala qui replie et va baisser les armes. Et de l'autre côté, on nous signale, il y a une information en détail, les Wazalendo ont été attaqués par une coalition appelée RDF AFC 123 en mutualisation avec le ZPDF et l'armée rwandaise. Déjà hier soir et tôt ce matin, vous allez écouter. En complicité avec Bandeko Bazana Régie, nous serons trop et trop techniques ce matin, cet après-midi, parce que nous avons besoin de vous mettre au parfum. Yamakamone Sozo de Kana Kinshasa. Et nous vous parlerons aussi de la secrétaire générale Ya Francophonie, agressée par un bon nombre de Congolais au niveau de Montréal, na Canada. Agressée verbalement, agressée aussi civiquement. Nous allons vous montrer les images tout au long de cette émission. Il y a aussi des journalistes, un de la radio Okapi et l'autre de la radio Kivuan. Des journalistes, l'un de la radio Okapi et l'autre de la radio Kivuan, aussi qu'on rejoindre aujourd'hui, mercredi, la coalition AFC M23 de Nanga. Vous allez écouter et vous allez voir leurs vidéos et leurs photos, leurs déclarations tout au long de cette émission. Alors, en images, nous allons guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements signalés. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements signalés depuis tôt ce matin du 10 juillet dans le territoire de Masisi, dans les villages de Nyangé et à Biboua au groupement de Bachili Mokoto. Des sources locales affirment que les affrontements opposent la coalition M23, RDF, AFC, IPDF aux jeunes résistants Wazalendo du mouvement ANCDH-AFDP après les affrontements d'hier mardi dans les territoires de Lubero près de Kirumba. Il s'agit ici des énièmes violations de la trêve humanitaire demandée par les États-Unis d'Amérique et la violation est l'auteur de la coalition AFC, M23, RDF, FC, Denanga. Nous restons toujours avec la même photo pour vous annoncer quelques adhésions du côté AFC, M23, coalition avec la participation d'Enanga et de Joseph Kabila. Nous sommes là. Alors, nous sommes là. Triste nouvelle, des anciens journalistes de Goma ont rejoint le M23. L'un, Belion Kimbulumpu, ancien de la radio Okapi et ancien conseiller en communication du président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malumalu et de Corneille Nanga. Et l'autre, qui vient de les rejoindre, Magloire Paluku, initiateur de la radio Kivuane de Goma, et ancien conseiller en communication de la ministre de la Culture et Arts du gouvernement Samalou Kondé. Les deux ont évolué à la Radio Star de Goma avant de s'installer à Kinshasa, d'où ils sont partis pour rejoindre la rébellion AFC par Bounagana. Source de cette information, notre frère Michel Kimbangu. Notre frère Chimbangu. Alors, et aussi une information de taille concernant l'agression musculaire et verbale du côté de Montréal au Canada de la secrétaire générale de la francophonie
Madame la Rwandaise et une grande diaspora congolaise au niveau du Canada, Montréal, ont agressé verbalement, et c'est là une question et un signal de la participation et surtout de la demande de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu et en Ituri. Alors, je reçois monsieur le combattant d'élite Mara Bobola, les patriotes considérés comme aussi Wazalendo, parce que les mêmes combats au front au Bandeko na biso ba Wazalendo ba kosala, c'est les mêmes combats aussi que maintenant monsieur Mara Bobola. Mbote na yo. Mbote, Jésus en colle. Na pesi mbote na Bandeko ba kolanda biso. Alors, awa ba signaler biso, c'était hier soir, hier c'était le mardi 9. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 juillet 2024. La trêve internationale, la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique, le gouvernement congolais a accepté Kiango et Tomoni repli du côté à Bafar DC na front et Bawazalen depuis Bazouaki cette information et cette demande. Il y a comme un peu qu'on baisser les armes au niveau à front, mais les Wazalen ont attaqué hier soir du côté de Masisi, sans compter aussi au niveau de Lubero, et les Wazalen commencent maintenant à s'affronter pendant que nous sommes en train de parler. Les images sont au niveau de la réalisation qu'on va nous balancer. Il y a plusieurs morts du côté des rebelles, il y a plusieurs morts du côté de ces terroristes, hein, 23 militaires rwandais en mutualisation avec les IPDF de l'armée ougandaise. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Kagame a kepeb américain à l'éléli bango, baye, ba sengi biso cesser les faits, et le gouvernement congolais na hospitalité na yango bandimi ko sala cesser les faits. Mais or, derrière cesser les faits, trêve humanitaire wana, balinga ki ne sikoyo, ba affaiblir biso et comme ça ba prendre biso avec beaucoup de facilité. Et chance li wazale no balaki na point de défense. D'abord, je tiens ici à regretter et puis à présenter mes inquiétudes par rapport à la situation, il y a acceptation, il y a trêve au gouvernement congolais, Andimi Yango, Pambate, les alli une façon, il y a kola qui sa faiblesse nabiso, il y a kola qui sa autobengi Yango, il y a kundimia ke souveraineté nabiso, ils alla violer, il y a kundimia ke indépendance nabiso. Tozwa ki indépendance moko ezali fallacieuse, ezali indépendance moko ezali ya soloté, ça veut dire que nous continuons toujours à être dirigés et à être imposés par de grandes puissances, par les grands états et par les grandes organisations. Pourquoi nazo loba yango? Pambate oyebi tango oyo ondimi ya kozala mokonzi ya mboka, ondimi ya kozala moi membre ya gouvernement, soit membre ya ya muramatari elingi koloba eke yo penza oyi bongo penza moto ba bengo ali mosali ya ba congolais ozali mosali ya ekolo oto bengi ba domestique de la république, mais d'un côté bazali ba konzi, de l'autre côté bazali kosala mosala pona mboka. Na yebi sa ki yo la fois passé awa ke trêve humanitaire biso ba congolais il fallait to boya yango, et gouvernement na biso oyo azali troisième institution ya république démocratique du Congo après présidence, président de la république na institution président assemblée nationale parlement pardon, c'est nela ki to boya yango. Pambate tango oyo États-Unis azui stratégie ya kondima ke ba pesa biso trêve humanitaire, ça veut dire que quelque part il y a eu des réunions, il y a eu ma organisation oyo salamaki, mais c'est Kagame na moi hypocrisie na ye na moi risque na ye akeyi komona batu oyo ba imposaka droit de voter, bato oyo bazali ba grande puissance na monde, au lieu en place ya koluka kotia kimia ces gens-là bazan na pona ba intérêt na bango. Na kopesa yo exemple moko Jésus en colle. Pensez-vous qu'aujourd'hui les États-Unis peut sanctionner ba multinationaux oyo bazali na mboka na ye? Les États-Unis ya kosala yango te. Pambate ezali ba multinationaux oyo yo bazali ko travailler pona intérêt d'abord. Il y a économie, il y a États-Unis, et puis des dés pour la grande puissance économique et puissance militaire aux alliés à États-Unis. Donc, tant que Kagame a sollicité trêve humanitaire, les alliés pour la Kagame a les États-Unis que d'un côté, ceux qui ont été kende, quand un affrontement entre la République démocratique du Congo et les alliés représentés,
par l'armée congolaise, le FRDC, et qui est appuyé par le Wazalendo à travers le gouvernement congolais, le président de la République, nous risquons de perdre d'abord intérêt Nabiso Otozali dans le nouveau sous-région et puis Otozali dans le Mabele à Congo. Et les projets aux États-Unis, na Rwanda, aux Azali appuyés par certains caciques aux Azali et États-Unis, certains anciens présidents de la République, certains anciens sénateurs, certains anciens politiques, Bakoye bisar Kagame que moyen tous ont sur ce projet tous dans la balkanisation. Parce que il y a eu des anciens chefs d'État américains Oyo basi basala ba dessiner même une carte. Il y a Congo baloba que nous avons une nouvelle république au babengiango, la république du Kivu, la république des montagnes. Les cartes existent et lorsque M. Kagame azali ko kené pour la koluka moyen, il y a ko présenter bango ba problème ba difficulté azalango, les États-Unis azala choate a koluka toujours a ko sala nini, il y a ko senga oyo Kagame azako sala. Et c'est à ce niveau oyo ngai na koki koloba que et sengeli na biso Yango moni à un certain moment donné, je dis encore le et singeli tout tika ba venti et singeli tout tika ba blague. Lorsqu'on a accepté yakozala mukunzi, lorsqu'on a accepté yako travailler kozala soit sénateur, kozala soit député national, kozala ministre, kozala gouverneur, kozala autorité, kozala même chef du quartier, ça veut dire que on dimi pona kozala mboka. Alors en ce moment où nous sommes, ezo senga na biso ya kozwa obabenga ka du sérieux ya kote yango na musala. À un certain moment donné, je pense que le gouvernement congolais tozali ko travailler ya solo oui certainement, mais il faut mettre des moyens pendant ko luka ko sa la guerre contre le Rwanda. Moi, je ne suis pas du tout d'accord na évolution et acceptation ya trêve wana. Déjà na entre na yo ya émission olobinini qui est déjà sur le terrain. Tout le monde a déjà le Wazalendo, n'est-ce pas, Bazali encerclé par, Bazali frappé, pardon, par le M23. Tout ça, comme on a de l'autre côté, Messenanga, tant Wazako ya Koluka, pour appuyer le M23, pour la Koluka pour récupérer. Maintenant, objectif Fabilo, qu'on a eu ces années. Ça veut dire d'un côté, Bazolu Koluko la Bounagana, déjà pour notre pays, ça veut dire que Bounagana est Kenda. Parce que tout ça, c'est là-bas effort. Mais pourquoi? Bounagana, mais au moment où tu as ça là 2 ans, au moment où tu as ça là 2 ans, est-ce que Yozoyoka, Kamere assis à l'équipe comme président de l'Assemblée nationale, Yoyoki dossier à Bounagana et Yoki le Bamina Mounogonae, Awa Mama Jidit Akei Awa, oui, bah commis na niveau ya Nini ya Nord Kivu, mais jusqu'à présent Bounagana, et ce n'est pas tiré par moyen, mi président de la République a nommé au Babengi ministre de la Défense. Et là, on dit que la pour nous avoir moyen de récupérer ma belle. Nous ne voulons pas ba ministre Bazali ba charlatan. Toyo il sango chef de l'État, ba ministre Bazali ba charlatan, ba luka moyen ba sa misala ba bimisa bango na gouvernement. Stéphanie Mbomboye wana kei. To lingi tout mon appel ba ministre monsieur sous pour les compétences ba kende. Alors, parce que trop c'est trop. Prenons rapidement cette information qui vient de tomber récemment ici. Si la réalisation est d'accord avec nous, nous sommes là. Tension RDC Rwanda. Les 1 Sunkoy, 25 Congolais cible d'un tir rwandais. Pendant la trêve humanitaire, pendant les cessez-le-feu, l'image est là affichée. On nous dit les Sunkoy 25, un avion de guerre, un avion de chasse qu'on peut dire. Un élément que l'armée congolaise utilise pour assurer la sécurité du territoire national. On nous signale ici, tension RDC Rwanda, un Sukhoi 25 congolais, cible d'un tir rwandais. Mais Dieu merci, l'appareil n'a pas connu une panne vraiment très sensible, mais quand même c'est bon. Les équipes techniques mécaniciens de FARDC sont déjà à pied d'œuvre pour essayer de voir quelles sont les anomalies ou encore des problèmes du point de vue technique, électronique et électricité pour essayer de remédier à ces problèmes. Mais laissez-nous vous informer pendant que nous, nous acceptons les cessez-le-feu. Mais de l'autre côté, il y a une forte coalition M23, RDF, AFC, IPDF, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise qui sont ensemble pour attaquer la République démocratique du Congo. On peut dire déjà les territoires de Lubero, les territoires de Masisi, Rutshuru et aussi la porte de Goma est franchement déjà en danger. Alors Marabobola, nous croisons les mains, mais de l'autre côté,
on nous attaque, voilà notre avion touché, voilà certains de nos liés, certains de nos territoires, certaines de nos localités et cités, toujours agressés au même rythme, avant même que tout soit dans un régime où il y a cessé les faits à trêve humanitaire. Mais les alliés, il n'y a pas si nous sommes les perdants, on peut dire. Mais oui, nous perdons déjà. Vous pensez que le Rwanda est en train de faire les aventures? Non. Mais c'est Kagame qui a aussi aventuré. Si nous nous prenons cette histoire comme de la blague, Torozana m'a belé à Est. Ça, je vous dis la vérité. Si nous prenons ça comme de l'aventure, m'a belé à Est, Zokende. Et Zokende, la présence d'Abisso. Et vous savez quoi? Le monde va retourner à Jésus en colère. Qu'est-ce que vous va retourner à yo? Mon goût va retourner à yo. Natikaga m'a belé à la bonne. Tant que le ministre est charlatan, chef de l'État, l'ongola bango la gouvernement. Mais papa, écoutez. Même pas de non, mois. Papa. Stéphanie Mbombo accueillit. Madame Stéphanie Mbombo accueillit. Vous avez dit pourquoi accueillit? Même les alas qui prennent ma raison, les alas qui pour des convenances personnelles. Mais il y a eu un problème. Où est-ce que madame Stéphanie Mbombo va pousser la démission? Et si aujourd'hui, ma ministre Oyo, il y a des généraux, certains généraux, ça va complice. Baza va être jusqu'à aujourd'hui dans le niveau de l'armée. Et là, on les a empêchés. Baluka moyen a travaillé dans nous. Balongo là-bas, tête. Comment un général a posé la tête? Vous pensez que M. Kagame a l'air à la Moukiboué? Bah, il sait que Jésus en collé, général, ou Azali chargé à logistique, il y a armée d'ailleurs, Rwandaise, Azali infiltré, Azali traître, Azo collaboré dans le gouvernement congolais. Vous pensez que Kagame a l'air à l'Olympique? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Ça veut dire que cette histoire est à cause de la Panabiso. Et je pense, dans tout ça, chef de l'État, Moutaza responsable. Et Sengali, chef de l'État, Abenga Batou, au Bazali, dans le service de renseignement. Batouana, Baza Batou, à côté de Terry Bango, facilement, Jésus en Goli. Ici, nous défendons la République. Nous défendons le chef de l'État. Mais nous voulons aussi que, tant que chef de l'État, Zolo Bamakambo, et Sengali, va conseiller à chef de l'État, au Bazali, on va y aller, c'est qui m'a conduit. Tala Oloba qui bouille. Tout ça la nini pour le kouane kokisama. Le lo zon bake va menacer Siko Inabiso. La fois passée, j'ai dit en colé. Et ça là qui quelques jours passés awa. C'est Siko a été bombardé. C'est Siko a été ciblé par une lance-roquette. Ma bête qui a un lance-roquette. Pour la nini, Siko, le colonel Nazako Boussala Komonaye, soudan Abisoana, ou a kende kokitisa. Siko iti narubavu. C'est un monsieur que je salue, bravo Naye, Nazaku salue Moussala Asaraki. Et il a fait quelques minutes à décoller. Na retour Naye de moni ba betaki avion en amassas. Et aujourd'hui encore, ba yé su ko touché en haut. D'un côté, nous avons la trêve humanitaire, tozako observer en haut, tozako respecter, to kangi maboko. Ici à Kinshasa, tozako kota banganda, tozako kota ba boîte, tozako tina ba na poto. Bakende, mais de l'autre côté, Rwanda a zakola la te. Le service à renseignement a zakola la te. Yo somona service à renseignement Mobimba. Bazakaka, monsieur, il a sa téléphone. Hein. Mais non, il y a des travaux sérieux. Il y a des travaux sérieux. Oyo yo, le service à renseignement militaire, le service à renseignement civil et signé Libasala. On ne peut pas avancer comme ça, papa. On ne peut pas laisser notre pays partir comme ça. Le long Bounagan a deux ans tout à l'heure. Vous pensez que ça honneur pour le chef de l'État? Vous pensez que ça honneur pendant maman Judith Soumoui na Jésus en colé. Vous pensez que ça honneur pendant Amara Bobola. Nous vous avons dit que nous sommes les combattants. Et même si nous sommes au pouvoir, nous allons toujours continuer à combattre. Et c'est ça le combat. Tout ça qu'on mène au niveau des médias. Très bien. Est-ce que Amara Bobola yo ose soutenir la démarche ya Bawazalendo parce que Bawazalendo na ba FARDC tokoyi ko lobaki ba komi ko sala musala moko. Il y a défense, il y a Mabélé, il y a défense à territoire national, il y a que sécuriser la frontière na biso. Moussala ba boazalé no ba ko sala de l'autre côté. Moussala pe ba faire des ba ko sala auto aller ko bo ke la bango ba fololo. Mais to moni tant ou to accepter gouvernement congolais a accepté cesser les faits et accepter la trêve humanitaire proposée par les États-Unis il y a 2 semaines 14 jours. Mais to moni ba boazalé no va violer na bango la trêve humanitaire, va violer na bango cesser les faits. Parce qu'à l'heure où nous parlons, babisibiso tôt ce matin, il y avait des affrontements vraiment très et très et très élevés entre d'un côté les Wazalendo et de l'autre côté l'armée rwandaise. Et cela n'a pas commencé ce matin. C'était depuis hier. Hier c'était à Lubero et aujourd'hui c'était au niveau des Massissi. Est-ce qu'aujourd'hui
Marabobo la peut dire que les Ouazalendo ont mal fait. Il y a qu'on boycotté ou bien à qu'on respecté jusqu'à la fin. Il y a deux semaines, il y a balakari biso, il y a trêve, bah Ouazalendo bas zongi lanzila et bitumba. Moi, je pense que à mon humble avis, pour ne pas donner l'occasion auprès du Rwanda d'avancer dans le silence, comme la trêve humanitaire, ce sont là les dessus des cartes, nous le savons, que bazui trêve humanitaire, tout ça là c'est les faits, mais de l'autre côté, premièrement, on attaque notre Sukhoi qui est déjà touché, et un avion au Yébi, moi j'ai eu à travailler dans une compagnie d'aviation, avion pour nous réparer en haut, et Zali et l'autre, comment il y a ma sécurité. Avion, ils ont le coup la moto, ils ont le coup la vélo, ou ceux qui portent bagage Boukani, Pine Tobo qui est au Tamo, non, avion, à taille, zuil, banga ya pamba. Il faut des moyens sérieux pour nous rebondir. Et surtout que c'est un avion de chasse. Vous savez combien bon on a pour nous réparer. Mais la question que nous nous posons aussi, avion n'a pas son bâtiment pour nous. Basomba ka ngoba tsa ngana report et vanda bakanga ba photo après baluki baluki non on a acheté cet avion pour Issa Moussala et jusqu'à présent ngai avec l'idée de leader pèse avec l'esprit d'un combattant avec l'esprit de dire la vérité tout monde avion la refa Moussala ngote on ne peut pas comprendre que les M23 basa ko avancer les M23 bazali ko avancer et les avions ils a toujours wana. On nous a fait un communiqué dernièrement ici. Que Baïbi Sikoy, Bali Ouazalendo. Mais quand on a volé un Sikoy, il fallait tout le monde la conséquence. Rwanda, l'Ali à la Mouki, va tel habiter. Et c'est une autre solution. Awa Bazolo Baketo, qui est un dialogue. Il y a un processus en Nairobi, un processus en Rwanda. Donc, on a dans quelle position? Position de faiblesse? Parce que là déjà, comme on a déjà d'un côté, le M23, Bazo encercle le Ouazalendo. Et puis, FRDC Nabiso. Tout kangi maboko, total est la trêve humanitaire. Tout zoli abaloso, na kisa sa, y a certains généraux, bazo somba mituka, ba kota la bango na monde ba kop, bazo sa la bango kop, ça c'est dit n'importe quoi. To koi koti kamabele na biso kendete. To koki koti kamabele na biso kendete, Jésus en kole. Ça veut dire que, ngai personnellement, il fallait tout bouillir la trêve humanitaire. Il fallait que le gouvernement congolais fasse un communiqué à travers Patrick Muyaya. Il y a qu'on voit que Bissau, République démocratique du Congo, tout bouille trêve humanitaire. Pour des raisons de souveraineté, pour des raisons d'indépendance. Tant au chef de l'État à Voyageaka, Tenambongo aux États-Unis. Lorsque le chef de l'État a zali qu'on engage la République, il n'engage pas avec l'argent des États-Unis. D'un côté, le Rwanda a zali qu'on avance. Au moins, il trêve humanitaire. Oh, c'est que je vous dis la vérité. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, Koka Mwate qui est à partir à trêve humanitaire, après une semaine, Baye Bissau qui est gomme koi, Koka Mwate, parce que Bazali qui a avancé dans ces bisous qui va nous observer trêve humanitaire. Ça veut dire que de l'autre côté, il faut tous avoir à disposition. Oui, on accepte les trêves humanitaires, tous les avions de chasse, et ça, on va nous avion de chasse, si quoi yuana, et zo baluka likolo, tozo surveye ba M23, bango bazana si, biso tozana avion likolo, nani ako olonga. Les rebelles n'ont pas l'avion de chasse, je dis bango bako zana si, biso za likolo, bango ype ko bombarde biso likolo. Non, papa, papa, au moins les avions wana, mondele a sali yango, et zali na ba tir à longue portée, pardon. Ça veut dire que, et ko yuko zana distance moro ya likolo ba lancer biloko. Ça même ke ba bombarde et toucher avion wana, ils a avion de chasse, papa. Yango qui est dans la aigle, ce qui est mati l'icolo, il est pointé, est ciblé, et niki. Vous comprenez? Ça veut dire que avionana, Moussala Nango, depuis ma somba avionana, Ngaï Marabobo, la combattant de l'UDPS de Boudjala, nanou na moni Moussala avion et salité. À part, Ndengeka et Kendara et Kitara na Rubavu, na niveau ya Rwanda, moi j'ai salué ce que le pilote là militaire a salaki yango. Mais il a fallu maintenant. Il y a qu'on a bombardé Baka ou le M23 Zali. Pourquoi pas on a bombardé Baka ou Anato? Soyez dans la Marabobo la Malamo, dans Marabobo la Lobby, le col a tout ça déjà en pleine trêve humanitaire, parce que ici, le gouvernement a bichon de manquer proposition aux États-Unis. Nan Nicolo, deux semaines, 14 jours, nan Nicolo quitté. Donc pour Marabobo là, il faut que tout cas, la bichon trêve en gros, tout zonga. Voilà. État initial, mais oui. État initial, la bichon, cela veut dire affrontement. Et aussi attaquer offensivité du côté FARDC et Ouazalendo et continuer comme avant. En tout cas, ta trêve en gros. Papa, le Congo est une puissance du monde dans les jours à venir.
le livre aujourd'hui de tous les scientifiques qui pensent que la République démocratique du Congo sera une future destination pour tous les habitants du monde entier. Ça veut dire que au moment où Tosa Kusa la guerre na Rwanda, vous pensez que les Mali sont en train de nous observer comme ça? Au moment où nous sommes en train de combattre contre le M23, vous pensez que les Sud-Africains sont en train de nous regarder comme ça? Au moment où nous sommes en train de nous combattre contre le M23, vous pensez que les Mauritaniens, Bazakota Labisso, aujourd'hui, nous le savons que Congo est la future destination du monde entier. Dans ce sens, nous avons engagé la guerre dans Rwanda. Tant que nous avons la Russie a koya akota la biso na pembeni. Les États-Unis a koya akota la biso na pembeni. La Chine a koya akota la biso na pembeni. La France a koya akota la biso na pembeni. Ça veut dire que le Congo en est seul peut déclencher la troisième guerre mondiale. Mais moyen ba kota la troisième guerre mondiale et kozalate parce que ba yebi que il aura des perdants et il aura aussi des gagnants. Mais le col la basse biso trêve humanitaire et singeli to retirer décision. Toyebi Sakagame que nous sommes prêts de faire la guerre avec vous. Le président de la République a réuni deux chambres. Bas à l'en congrès, le conseil il y a défense supérieure et puis le conseil des ministres Salama va lever option. Le président de la République a déclaré guerre contre le Rwanda. Papa, au moins il bilogo monsieur Zalara Jésus en colle. Tant on monte tout molio au moins au commun en souka. Tant on to kola to ko bunda Zalaka bongo. Au moins que mutumo robo a moné la yo. Mutumo robo a donc au banga kayé trop. Quartier mobima ba dit que Jésus en colle ko kamara bobolaté. Soko lingo Salaka foin ba ki ba bengi Jésus en colle. Yo o sala ba vanti to bengi lo Jésus en colle okiti. Mais ala mko musu so la yo la mko bi trop c'est trop. Trop n'est jamais bon, tout excès nuit. Les lots toujours bundana Jésus en colle. Toujours yo kana no solo ya mapeka. Toujours bundana yo totala o ekokoma. Et bitumba bise à la gabongo. Et l'histoire entre le Congo et le Rwanda et singeli tout comme à la niveau ana. Très bien. Bango basengi trêve humanitaire. Biso toza ko observer trêve humanitaire. To vandiawa. Certains généraux baza kote kama pango ba kota na bango na monde ba faire. Baza ko collaborer pe na banguna. Ba ministre za ko kende, ba matière première za ko kende et c'est la République démocratique du Congo, nous sommes en train de perdre le pays petit à petit. Ça c'est une certification ba benga certitude scientifique. Munaga na ngo 200. Niragongo ya ngone kei. Baza ko même ici de localité armé na biso za li kozwa. Mais après trêve humanitaire, je vous l'ai dit, toka mwate soki go maikei. Très bien. Alors, toka mwate soki go maikei, et Mara Bobola aussi nous parle de la trêve humanitaire. Mais pendant la trêve humanitaire, tout le monde a aussi des recrutements. Tout le monde a bandé ko esika bazo gende ko rejoindre la coalition M23 RDF AFC de Nanga. Ici, en illustration, avec nos amis qui sont au niveau de la réalisation, la photo est là, tout le monde a bien obato mi balé esika. Pendant la trêve humanitaire, va rejoindre Nanga. Ces deux personnes, est-ce que Bazawana? Bazawana. Alors, d'accord, très rapidement. Nous allons rapidement lire et Mara Bobola va placer un commentaire en forme d'analyse. RDC, triste nouvelle. Des anciens journalistes de Goma ont rejoint les M23. L'un, Delion Kimbulumpu, ancien de la radio Okapi et ancien conseiller en communication du président de la Commission électorale nationale indépendante, paix à son âme, Abbé Malumalu et Corneille Nanga. Et l'autre qui vient de les rejoindre, Magloire Paluku, initiateur de la radio Kivuane de Goma et ancien conseiller en communication de la ministre de la Culture et Arts du gouvernement Sama Lukonde. Les deux ont évolué à la radio Star de Goma avant de s'installer à Kinshasa, d'où ils sont partis pour rejoindre la rébellion AFC par Bounagana. Source de cette information, c'est Michael Chibangu. Michael Chibangu. Les deux personnes du côté gauche, nous voyons Delion et du côté droite, nous voyons Magloire Paluku. Alors, Ndekoma Rabobola, Tomoni pendant la trêve humanitaire, pendant les cessez-le-feu, M23, AFC de Nanga, Bazo continue recrutement à Bango, des Congolais, des pères et des mères, Tokolo Babongo, Magloire et Delion, Bazalaki,
bah journaliste on a bah différentes radios na Bissau na Kivu na Kinshasa et autres bah rejoindre Nanga pour encore renforcer les rebelles à venir paralyser ou encore à venir ravir le pouvoir de Kinshasa et comment entre les mains des étrangers. Alors ce type de Congolais au Bali cocotte dans la manœuvre bah étranger pour balkaniser leur pays, je ne sais pas marabobo là va dire quoi. Mais d'abord na zana respect mingi pour na bandeko na biso ya est na linga na bango mingi bandeko bazali na côté ya nord Kivu sud Kivu aujourd'hui bon manière il y a pas trop de problèmes. Mais la question que moi je me suis souvent posée, j'ai dit en collé, pourquoi seulement nos frères de ces partis oyo ba kota na mabiloko wana ma gloire palou. Mais écoutez, excusez-moi, c'est palou quoi les liens Kivu, hein? mais oui ça ba kombo ya bandeko ya est. Yo so yo ki moutou ya ba Congo, à part Wilingo ma wakende kuna na evite peut-être ba pesa epi moi moseka moko kuna peut-être ba bota tout ça. Wilingo ma mutaba Congo. Mais oui, oh, Wilingo ma mutaba Congo. Oh, vous confirmez? Ngoma ezali Congo ya bandeko ya ba Congo. Eza Congo ti ya mibambika ka oteza vraiment ya ba Congo. Oh, Wilingo ma za moutou ya zaki ya wana ki sa sa wa titi ya yime me mambre ya IDPS. Akende kokota kuna nde kokota. Ah, Wilingo ma za ya IDPS. Oh, bouyo mona ba image te. Nenge Henri Machar aki ya peper da kuma na Rwanda. Nenge pe Wilingo ma za ya IDPS. Mais il y a des images. Eza ya ko... Tipo lo baboyi. Oh, mais Eza ya ko bon bata. Il y a des images. Ça va continuer. Alors, le cola, moto à la calibre, et ça le kanga il est le marabobola. Je suis combattant de l'IDPS. Vous comprenez? Ça veut dire que d'un côté, Naza Koumoune la Moka, l'obi sori peut-être Oyoki qui est marabobola à côté de Sima Corneille Nanga. Yoko le bake, Eza bato IDPS ne batininga. Ou bien le bake, non, Eza Sokini, non. Ou l'ingoma a été ici. Ngoma Ezali Kombo, Yabandeko Yabiso Oyo Bazana, Congo Central. Moi d'ailleurs, j'avais une amie au Koumoune Ezali Ngoma. Eza kumbu ya bandeko wana. Eza lokola ba chilumbu, ba chilumbayi, ba kabuya, ba kalengayi, eza kumbu ya bandeko ya este. Alors, ya kasai, pardon. Soko zupe ba paluku, ba ramazani, eza ba kumbu ya bandeko wana. Par quoi je voulais dire quoi? Ça veut dire que bandeko oyoyo, bazali na lien entre le Rwanda et l'Uganda, bazali ko trahi mboka. Bazali ko trahi mboka. Tozali na problème, ezali menace ya balkanisation. C'est ça que M. Kagame est en train de chercher. Tout ça, le problème, au Ezali, il y a, comment on appelle ça? Il y a exploitation, il y a pillage, il y a ressources naturelles. Mais tant que vous avez un peu de temps, qui, soi-disant, Congolais, vous avez qui organisation, soit dans politique, ou soit dans la société civile, ou qui est en train de c'est une autre trahison. Neko y a qui conseiller ya Corneille Nanga. Aya tanga kumbu ya batu awa. Qu'est-ce qui empêche le ministère de la Justice, Constant Mutamba, de convoquer Batouana, de mener l'enquête, soit ça y a solo, de prendre Batouana? Eric Kouba, le bagage. Eric Kouba, il a. Papa, je ne sais pas moi. Écoutez, nous voulons le changement ou nous ne le voulons pas, Jésus Angolé. La question que moi je me pose, c'est ça. Sans que tu aies un changement, il y a des principes de changement. Et si nous ne voulons pas le changement, alors tu as la distraction et c'est une désolation. Motouana tangi kombo ya Batou. Bazo jouit la présomption d'innocence jusqu'à présent. Parce que Bassambi si bangote, Bajuge bangote. Mais ceux qui ba bengi bango, ba benga bango, Bassambi sa bango. Mm. Ba levé, le col la ba leva qui option ya moratoire, ba bomba batouana. Au monde, puisque c'est en colé. Ceux qui m'okozambo ka joua ta initiative, moko. La ministre ya justice, ba convoqué ne serait-ce que un seul traître, na makamouya este. Ba sambisiye, ba monike aza coupable, Jésus en colé, ba bengi biso na martyr, ndenge tokenda pona kotala ba match, sachez le que, ba zuye ba tie likolo ya ngala ngala, ba bisi papa, sala lo sambo asuka, sala lo sambo asuka, mwasi na bana baza wapi, ote mwasi na bana bangoyo, ok, ye bisa bangoyo lilo basuka, mama na lingi o mingi, na lingaki o mingi, bana na ngayi na lingi bino mingi, botika la malamu, toko kuta na mokolo ya suka, ba tie likolo ya ngala ngala, pa! Ba pandre, je te dis, son mokokota na niveau ya armée, ba biloko moussou ba vanti wane kosi la. Une très bonne proposition, alors... Mais aussi longtemps que, tozo kende kaka, il y a eu des trahisons, non voilà, la justice est indépendante, oui voilà, ma kamwane kosi la, jusqu'à quand? Armée Nabiso a plus de 40% ils ont infiltré, le chef de l'État en est témoin, les services de sécurité, ba bien haut, mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche? Ma belle Nabiso, qu'on kende te. Très bien, alors,
Très rapidement, nous allons prendre aussi cette thématique très rapidement. Tension RDC-Rwanda. Le secrétaire de la francophonie, Madame Mushikiwabo, contre Mir au Canada, voilà ce que ça donne lorsqu'une Rwandaise ou un Rwandais est en face des Congolais, des pères et des mères. La tremble malgré 15 gardes du corps. Nous allons suivre cette vidéo après la fin de cette lecture que je vais faire. Après la fin de cette lecture que je vais faire. Tension RDC Rwanda. La secrétaire de la francophonie, Madame Mushikiwabo, Rwandaise de père et de mère contre Mir au Canada. Voilà ce que ça donne lorsqu'une Rwandaise ou un Rwandais est en face de Congolais de père et de mère. La tremble malgré 15 gardes du corps. Suivant cette vidéo, nous allons revenir toujours ensemble avec Mara Bobo. Là, nous allons commenter. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité, malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC. J'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi mes... Maintenant, le Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Est-ce que membre de la francophonie aussi, comme la RDC. Est-ce que vous allez porter... comment vous réagissez-vous d'abord? Votre réponse, s'il vous plaît. On veut une réponse, s'il vous plaît. Okay. Je vous êtes ressortissant d'un pays agresseur de la République démocratique du Congo, membre de la francophonie. Comment réagissez-vous? S'il vous plaît, ces questions-là, il ne faut pas les poser comme ça. Non, c'est une question. Elle est en train de répondre. Monsieur, je pose la question. Elle est en train de répondre. Elle est secrétaire d'une organisation, quand même. Elle est en train de répondre. Ce que vous faites, ce n'est pas normal. Madame Mouchkia, elle est en train de répondre. S'il vous plaît, vous avez dit que vous allez répondre à cette question. Répondez. S'il vous plaît, je pose la question. S'il vous plaît, c'est poli. Madame, elle est là. Madame, votre réponse, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça. Madame Moutchiga, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber condamnant le Rwanda. Merci. Comment réagissez-vous? Madame Mushikiwabo, la résolution de l'AFPEF vient de tomber. Comment réagissez-vous? Pardon? Là, c'était en direct des Canada. C'était l'Assemblée générale qui réunissait les assemblées nationales des différentes nations membres de la francophonie et la numéro, qu'est-ce que je peux dire, le numéro 1, hein, voilà ce que j'allais dire, le numéro 1, la secrétaire générale de la francophonie, Madame Mushikiwabo, après la séance, après la conférence, il y avait des questions-réponses posées par certains journalistes en place. Poser question à la République démocratique du Congo à saboté. Hein. Alors, il y avait des tiraillements, il y avait un scandale produit sur place. Alors, ici, nous comprenons maintenant, il y a certaines personnalités rwandaises au bazar déjà coachées par Kagame de ne pas placer un mot par rapport à l'agression aux alliés. Kolikana est la République démocratique du Congo. Lui-même, Kagame, au niveau de la France, na média Auto Bengi France 24, alobayi ke abongi samina, déjà zana mindu, kazana nyon soa rogiko, yako sa la guerre, na est la République démocratique du Congo. Parce que bali ko profite ma kasina sima guerre ouana. Alors aujourd'hui, nous demandons vraiment, si nous sommes patriotes, que nous aimons ce pays, nous devons quitter la francophonie. Nous devons quitter la francophonie parce que la secrétaire générale de la francophonie, Azali Madame Mushikiwabo,
elle n'est pas d'abord natif d'un pays Oyo Ezali francophone, parce que le Rwanda n'est pas francophone, n'est pas un pays francophone. Rwanda, c'est un pays anglophone, mais de moni, la France ennemi Kotia à la tête de la francophonie, une anglophone, akamba francophonie, et une anglophone, ya wapi, ya Rwanda, bato bazali ko agresser biso. Moi, j'allais applaudir pour Kamere, soki andima qui ko rejeté cette invitation à Canada, oyo ezala ki invitation à francophonie. Mais awoli ko kende. Tu n'as pas dit ma patriotisme, mais ceux qui a rejeté qui invitation Oyo il y a francophonie à Canada, parce que ton moni mutu a conduire, mutu a présidé ma manifestation en Soana, c'était Mushikiwabo. Moi na moi sur ya Ndumba politiquement parlant, bah poser question à République démocratique du Congo à saboter yango marabobo le koloba. Ezali passi, eza passi peza mawa. Pona biso bayi politique ya mikolo ya lelo, pona ba intérêt personnel to komi kondima biloko misusu au détriment ya République démocratique du Congo. Oui. Au moni soki to boya ki ko participer na activité oyo, le monde entier, la communauté internationale, la France, l'Union européenne, l'Union africaine, ba organisation yon so ya région ya sous région ba lingaki ba se peigne encore davantage par rapport à la guerre des Akolekana Est. Nous avons organisé une activité ici. Bravo au chef de l'État pour la réussite et pour l'initiative. Il y a francophonie, j'ai de la francophonie, il y a Jésus en colle. Maman, on a moi, c'est Ayaki. Ayaki tête. Bon, et l'autre, on est Tindibiso. Cette fois-ci, tant qu'il ne connaît pas l'invitation, il y a signé. Parce que l'invitation, on a signé, on a Mushikuwabo, cette dame-là. C'est elle qui avait signé, qui a envoyé à la République démocratique du Congo. Oh, yo, bah, tindi to ke ne ko participer na activité wana. Ça veut dire, d'un côté, nous dénonçons, ensemble avec le chef de l'État, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, tozal ko sa rabenga la marche en arrière. Nous sommes des complices quelque part. Et c'est déplorable. Bitumba, oh, yo, le ko la chef de l'État, le baki, nous devrions l'amener à tous les niveaux. Le niveau diplomatique, le niveau politique, le niveau militaire et le niveau même spirituel. Banganga nzambe singe liba sambe la. Ba chef coutumier singe ba telema. Comment les gens avancent dans ma belle na biso? Tozana ba chef coutumier. Ma belle li mwa rate ponani. Ma e ka ouka rate ponani. Tu e bien l'autre, le pouvoir ancestral ezana quelque chose. Nazako finga ba chef coutumier te, beaucoup de respect pa na bango. Mais quelle est la part, la part de pouvoir continuer Nabiloko Oyo. Mushikuwa boyo naza ko loba nini, en tant que une Rwandaise, nous sommes de frères et sœurs avec la République démocratique du Congo. Nous partageons la frontière avec beaucoup de dédain. Je salue la bravoure Yandeko John Lungila. Même à un certain moment, il a été un peu trop étrangugeant dans le régime Nabiso. Mais là, je le vis entre Yako interview Madame Mushikuwa. Je crois que bravo John Lungwila pour le travail que vous avez fait. C'est ça le patriotisme. Même si Tozali n'a pas différentes couleurs et que l'obédience politique est à la n'importe. Mais face à l'intérêt général et supérieur, et c'est tous les comme félicitations pour la question. Là. Mais tu as le modèle où maman a répondu à la question. D'abord, Azali même pas membre il y a pas pays francophone. Le Rwanda a l'obaka anglais. Mais comment vous avez Rwandais qui a la tête y a une organisation francophone? Sabotage. Et ça, sabotage. Non seulement sabotage, ça veut dire que les alliés par arrangement, il y a Kagame, non mais c'est Kagame, mais c'est Macron. Ou les alliés président en France. Et ça, le mouvement citoyen, Babilo quoi qu'on réclame à Yangoyo. Il y a aucun de ces gens-là, départ, il y a Mushikuwabo, na niveau de l'organisation de la francophonie, Bazoa, l'un des secrétaires, le col des alliés poste Bazo Lingake, une dame à Zalawana. Mais on peut toujours trouver une dame, une congolaise, pourquoi pas? Nous avons des dames sérieuses, nous avons des dames intelligentes. Pour Ariette Iwamu, ma maman n'a pas eu ça. A Koki, qu'on a appelé secrétaire général de la francophonie, il y a des dames, il y a des dames. Il y a des dames, comme les autres qui m'ont la moutou. La RDC est la première nation francophone du monde. Parce que
le nombre de la population au balobara français na kata RDC, ça dépasse même le nombre à bateau balobara français na Canada, balobara français na ba pays au Union sur Afrique, Sénégal et autres. Mais là, on est sur la bise surtout comme à niveau. Ça veut dire que quelque part, nous faillissons. Il y a un moment, tant aux autres qu'à détournement, je dis en colère. Il faut que tu aies la moto à détournement, mis ce mot qu'il y a. Il y a quand même, mais tu as là, il y a mis ce mot qu'il y a moto à Zali qui entravé à venir. Moto à Zali qui entravé, Makambo. Ça veut dire que réponse, il y a Mouchikouabo, et Zali réponse, il y a Rochola. Et Zali réponse, il y a Koseka. Tu as un processus, il y a Nairobi. Rwanda boyko ndima ma négociation wana ma résolution a boyko appliquer on to yé na processus à Rwanda pour pas fixer date deux chefs d'état entre le président Tshisekedi et monsieur Paul Kagame bakutana monsieur Kagame n'a jamais accepté et ici vous avez une rwandaise une phalangiste rwandaise oyo monsieur Paul Kagame l'a pris l'a placé là-bas dans lobbying na yé le loyo akomi koloba akosenga ba voix aux ezali à diplomatie ba kende kozwango. Et Mama Bitunkeita, yepi na par na ya lobi ke, ce ne sera pas une solution militaire, et ça sera une solution diplomatique. Ndeko sili sa, Bitumbao est dans l'Est. Et c'est ngeli to déclarer guerre contre le Rwanda. Je vous le dis, to bundana Rwanda. To bundana Rwanda. Soyez to bundi, solution de l'Oko yon se aussi là. Naoki le beli détournement avec la complicité de notre ami qui est à la régie, Arola Kisabiso. L'image au bas congolais, il faut bas adopter face aux détourneurs. Parce que toza n'a pas détourneur. Il y a mosolo à l'état. Toza n'a pas détourneur. Au bas, il va détourner ma belle au ezali propre au congolais, mais ma personne va pas. Alors, kandawana, il faut éanimer bas congolais nyonso sur cette image. Vous avez un kanda à congolais au azota la mbongo à l'état n'engezokende. Azotala mabele ya leta nengezokeni. Voilà un vrai Wazalendo. Voilà un vrai Congolais qui a la couleur face. Ya mabele na ye, face ya mosolo na ye, fala ke tongele ba nzela, et tongele ba opito, et tongele ba ekol, et sele makambo nyo so ego yuko sala ke, Congo na biso pe, epe sa image ya malamu, libanda ya ba peyi ya ba paya ba yuko tala biso. Mara bobola. Oyebi, depuis biso IDPS tozu bokunzi. C'est vrai que toye ne loko babengi état de droit. Bravo au chef de l'état. Bravo au président de la République de se réapproprier encore de combat de se faire délimiter le combat de Tshisekedi Tshisekedi de Wamulumba. D'asseoir un état démocratique où il y a un état de droit et de faire ce qu'on appelle le projet des peuples d'abord une réalité. Mais bambongo nyonso batu wana ba détourner. Aussi au salam calcul nango Jésus en collé. C'est dans les milliards. Aussi au salam calcul nango c'est dans les milliards. Oyebi lelo oyo mboka na biso, excusez-moi, ça c'est une vérité. To komi ko pesa image ya un pays de détourneurs, un pays de frappeurs, un pays à ba chekouler et pourtant chef de l'État azali ko lukande ngini asisa biloko yo. Je la lingete a pesi ba rapport et pas la parquet à Lembi. Ba parquet ba kangi bato. Mais justice a toujours libéré Bato. Tolo Banini. Très bien. Merci beaucoup, Marabobola, le combattant de la première ère. C'est lui qui était notre invité spécial. Bosepeli na makani si analyse naye. Merci beaucoup d'Abandeko Batali Biso partout en République démocratique du Congo. Mais restez branchés na ta message très rapidement. Tozali na rencontre le lot IDPS secrétaire général azali na message na ba ligue de jeunes na ba mouvement et association ba jeunes ba ya ebélé pour nous soutenir Augustin Kabuya na niveau ya parti na biso. Très bien, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir, bye. Tangwe kokio yo.